La montée de Bauer qui est passée, qui peut centrer deuxième poteau. La remise de Rodelin, c'était en direction de Fluquet, mais ça n'est pas arrivé. Dégagement. Alors il n'y a plus Eaton pour les duels de la tête. Ça va être plus compliqué à ce niveau-là pour Elia. Rodelin qui a cherché écoutez ça. Ballon trop long. Attention, Von Balmos qui s'est mis au sol. Alors ça ferait encore une mauvaise nouvelle là. Monsieur Schneider qui demande aux soigneurs de rentrer sur le terrain. Alors un carton rouge et un gardien blessé, ça ferait quand même beaucoup là pour Young Boys. Le deuxième portier, Anthony Racciopi, évidemment côté bernois. Alors Zoltán Kadar, vous le voyez, qui donne des instructions à ses joueurs hein, avec ce changement obligatoire. Alors de système, on ne sait pas encore, mais en tout cas, il explique à Sessiger et à Lustenberger qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Va-t-on vraiment laisser Elia tout seul devant? Affaire à suivre. Alors Von Balmos est debout, c'est le principal élément à relever pour le moment, alors qu'on approche déjà de la moitié de cette période. Les consignes à Fasnacht, à Imeri, tout le monde vient vers Kadar. Von Balmos va pouvoir dégager son camp. Finalement, cette blessure de Von Balmos a permis à Ibé de savoir quoi faire sur le terrain. Alors, on va pas dire qu'il a fait exprès de se faire mal, Von Balmos, mais c'est vrai que les joueurs ont pu venir vers l'entraîneur pour remettre un peu d'ordre. Et Servette tient à la relance. Avec Frick. Pour le moment, sans réelle solution offensive. On passe par Monteiro. C'est là qu'il faut enlever une touche de balle. Souvent, on a l'impression qu'on a plus de temps et au lieu d'enlever une touche, de jouer à deux touches, on la touche une fois ou deux de plus. Et l'équipe adverse a 10, a le temps de faire les courses. Donc voilà, Servette doit vraiment enlever une touche. Jouer vite, redoubler les passes, faire courir cette équipe bernoise, parce qu'il y a quand même malgré tout presque une heure, plus d'une heure à 11 contre 10. Long, très long changement de jeu, bien lu là par Clichy. Écoutez ça, Fluquet. C'est bien sorti du marquage. Avec Vouillot, le bon ballon dans l'axe, avec de l'espace pour Cognac qui va pouvoir décaler Stevanovic. Ça c'est bien vu. Stevanovic, il a Bauer en retrait, il préfère centrer quasiment directement. Fluquet, il y a une main qui a été signalée, c'est en dehors des 16 mètres, mais ce sera un excellent coup franc là pour les Servetiens. Alors que l'action n'était pas forcément terminée, mais Fluquet avait raté son contrôle, donc Monsieur Schneider a préféré ne pas laisser cet avantage. On revoit le coude effectivement sorti pour Garcia. Et c'est Fluquet qui va aller botter ce coup franc, pied gauche, rentrant. Ça peut être extrêmement dangereux pour un gardien dans cette position du monde qui peut arriver, qui peut passer devant lui. Encore faut-il bien le tirer. Les supporters servettiens qui donnent de la voix, vous l'entendez certainement. Les servettiens peuvent vraiment attaquer le but parce qu'il y a le mur qui va faire office, qui va couper leur jeu. Donc vraiment les servettiens, là, ils n'ont pas de questions à se poser, il faut attaquer le but. On va venir dans ces 5 mètres, c'est directement sur Von Balmos des points. Presque trop sur le gardien finalement. La remise de Cognac et Von Balmos, acte 2. Oui, clairement trop sur le gardien, mal tiré. Mal tiré, c'est des grosses occasions. Il a tenté en force. Mais c'était très centré, trop centré pour Fluquet, qui ne réalise pas le meilleur début de match de sa carrière, c'est clair. Garcia. Par-dessus pour Elia, mis au sol là, par Montero. De catch là, du jeune joueur de 17 ans, on le rappelle, un international portugais. Alors il était même capitaine hein, des moins de 17 ans lors du dernier Euro.
est même désormais joueur des moins de 19 ans au Portugal et avec deux matchs joués en septembre. Ça prouve quand même le talent du bonhomme. Fluquet qui récupère. Il va pouvoir partir vers l'avant peut-être. Il n'a pas beaucoup de solutions pour le moment. Deuxième ballon, Rodelin qui change complètement le jeu. Il avait vu à l'avance. Écoutez ça, contrôle. Et Rueg qui anticipe bien le contrôle de l'ancien joueur de Reims. Bouillot. Avec Diogo Monteiro. Transit par Clichy qui rate complètement son contrôle. Alors bon, la pelouse n'est jamais la meilleure ici au stade de Genève, mais ce genre de contrôle ne doit pas arriver, surtout un joueur comme Gaël Clichy. Bonne récupération là des Servettiens, puis un très bon tacle également de Rueg qui va pouvoir partir vers l'avant. Il est passé face à Clichy dans un premier temps. Et bonne défense. Les Genevois, le ballon sur Rodelin qui demandait dans les pieds, puis Fluquet qui a cherché la profondeur. Oui, la solution c'est dans les pieds avec Rodelin. On sait que c'est pas un attaquant pur, un centre-avant pur, je veux dire, et il dézone souvent, il vient chercher ses ballons et il est très bon techniquement. Et là, il faut le trouver dans les pieds parce qu'il sait garder ce ballon et il permet de sortir le bloc. Et si vous mettez des ballons dans la profondeur à Rodelin, ça va être compliqué, d'autant qu'il l'avait demandé dans les pieds. La faute ici sur Doulin, on n'a pas envie de taper tout le match sur ce pauvre Patrick Fluquet, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bons choix pour le moment dans cette rencontre pour le numéro 7 Servettien. Après avec sa vitesse, sa technique, il est capable de faire des différences sur une action. On le lui souhaite en tout cas. Monteiro qui cherche un long ballon sur Rodelin, c'est bien donné, Rodelin qui tente la remise. C'est une bonne action là pour Servette dans les 16 mètres de l'adversaire. C'est venu d'un bon ballon là de Monteiro. Ça permet à Servette de se placer en zone offensive avec Cogna dans les 16 mètres. Cogna le centre, deuxième poteau, ce sera pour Stevanovic, un peu court. Bauer qui est également là dans les 16 mètres. Ce nouveau centre qui arrive au deuxième poteau, la volée de Rodelin. Ah, il fallait la tenter là au premier poteau, c'est bien vu, mais bonne attaque là de Servette. Ouais, c'était bien fait, on joue les longs ballons. Rodelin, il va se fixer sur Lutzenberger, bien sûr, et pas sur Zeziger. C'est très malin et ça met toute la défense en difficulté. Et tout était bien fait. Il doit la frapper, il doit la tenter, bien sûr. Elle n'est pas facile, mais il doit tenter. Et surtout que ça a été touché devant lui, Rodney Rodelin. Stevanovic à l'origine de l'action, mais également à la finition avec ce centre. C'est Siguer. En direction de Delia, c'est bien défendu de la part de Monteiro. On va pas parler de match facile parce qu'il y a toujours Elia en face, mais c'est vrai qu'il y a un attaquant de moins maintenant pour cette charnière Monteiro-Vouillot. Là c'est plus facile et ils ont bien compris. Il y en a un qui va se coller sur Elia et l'autre qui prend 10 mètres de marge. Donc on est sécure. Si IB continue ce genre de long ballon, ça va être impossible pour eux. IB doit essayer de garder ce ballon malgré l'infériorité numérique. Et peut-être par moment voir des Imery ou des Fasnacht partir sur leur côté respectif. On a presque cette impression que depuis le rouge pris par Eaton, eh bien Imery est vraiment milieu gauche, Fasnacht milieu droit et qu'on joue un peu plus en ligne qu'en losange côté Young Boys avec Rieder qui vient à la même hauteur que Nias. Bah surtout défensivement, c'est logique, on se retrouve avec les deux lignes de 4 et Elia devant. Et comme Ibé n'a pas le ballon, on voit souvent cette configuration. Avec le ballon, Rieder doit venir se projeter un peu plus haut. Retrouver ce losange et retrouver les solutions avec les milieux de couloir. Mais est-ce qu'on va encore oser se projeter avec les latéraux, je veux dire? Est-ce qu'on va encore oser se projeter côté bernois? Je ne sais pas. Un ballon compliqué là de Clichy, mais il faut parler côté Rueg et Nias. Et finalement, c'est Koutessa qui récupère ce ballon.
Ah, magnifique ce qu'il fait écouter ça sur son côté. Face à Rueg et Fasnacht, il obtient un coup franc à la demi-heure. On était à deux doigts de dire qu'il en faisait trop. Mais finalement, il obtient la faute. On va retrouver Pluquet dans une position complètement différente cette fois-ci, puisqu'il a changé de côté, il est plus loin. On va voir. Il va chercher une tête d'un coéquipier sur cette action, certainement avec notamment Rodelin, évidemment. Là, c'est encore une fois tiré au premier poteau. Ballon qui ne s'est pas soulevé. Et Frick qui change complètement le jeu sur Stevanovic là-bas au soleil. Ballon par-dessus pour retrouver Stevanovic. La bonne anticipation de Cédric Sessiger. Là, vous parliez de risque. On a effectivement cette impression pour le moment que Young Boys ne va pas en prendre beaucoup hein, dans cette suite de rencontres désormais. Il va tenter de profiter d'une ou deux occasions. C'est l'impression que j'avais au début du match déjà. À 11 contre 11, je trouvais que Berne était vraiment là pour attendre, laisser peut-être volontairement ou pas le jeu à Servette. Ils sont en position de force. Hein. Alors maintenant, un joueur de moins, effectivement, je m'attends pas à plus. Rodelin qui a été mis au sol par Sessiger. On va dire bien essayé, mais ça paraissait quand même un peu compliqué là pour l'arbitre de signaler ce type de faute. Alors que les Servettiens n'avaient pas le ballon. Ouais, non, ouais. Et un petit coup d'épaule pour lui dire je suis là, mais c'est à peu près tout. Entre-temps, le ballon a fini derrière le but de David von Balmos, ce qui lui permet de dégager. Sessiger, long, très long, par-dessus, et Jérémy Frick. Bauer qui repart, Rodelin. Oh, bien joué ce que vient de faire Rodelin, c'est magnifique, ça permet à Bauer de partir sur son côté droit. Bauer, là, c'est difficile face à deux hommes, il n'y a pas eu beaucoup de soutien là sur le côté. Stevanovic qui est allé se mettre dans l'axe du terrain. Ouais, mais il était tout seul dans l'axe. Bauer n'a pas osé centrer. Kuteza est rentré, mais un peu plus tard. Stevanovic, le centre, très très long. Trop long même, ça finit encore une fois en sortie de but, mais on aime bien le jeu pour l'instant proposé par Ronny Rodelin, notamment à cette pointe de l'attaque. Il joue différemment, c'est pas un vrai neuf, mais on le trouve bien dans cette il est dans bien dans ce rôle qui n'est pas le sien. Il dézone, il vient sur le côté, cette action avec la talonnade. Servette a marqué un but superbe avec le centre de Stevanovic et Cognac qui s'était projeté pour marquer. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Si vraiment ça passe sur le côté, soit Flouquet, soit Cognac doit se projeter parce que forcément Rodelin n'est plus dans le jeu. Aïbé qui perd très rapidement quasiment tous les ballons hein, dans cette première mi-temps. Vouillot. Extérieur du pied pour coûter ça. Contrôle est réussi. Derrière une légère faute. Rodelin avait récupéré ce ballon, mais Rueg est victime d'une faute derrière coûter ça. Les appuis sont difficiles hein, sur ce terrain. On voit beaucoup de joueurs glisser. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus faute que ça sur Rueg. On voit que son pied qui est parti et il est tombé. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui tombent et les appuis sont pas évidents. Peut-être encore plus dans cette zone de terrain puisqu'on a vu les échauffements hein, se dérouler ici. Exactement là où est Ronny Rodelin qui réussit encore une fois un changement de jeu. C'était pas facile pour Bauer, mais encore une fois la protection du ballon de Ronny Rodelin et derrière la vision du jeu. Von Balmos qui prend tout son temps et d'ailleurs vous l'entendez avec les sifflets, alors ce ne sont pas ceux que vous avez à l'image évidemment qui sifflent. Eh bien, les Servettiens présents derrière David von Balmos.
tête de Nias. Elia qui touche un ballon, ça fait un moment. Et d'ailleurs, c'est un bon ballon puisqu'Ibé va pouvoir partir. La frappe lointaine qui passe par-dessus. Eh bien, ça peut aller très très vite. Là, c'est Castriotti Meri qui a tenté sa chance. 36e minute. Ouais, frappe magnifique. Hein. Le ballon, il est retombé très très vite. Et juste derrière la transversale. Un ballon flottant sur le centre du but de Jérémy Frick qui aurait peut-être été sur ce ballon. On l'a vu, une prise de balle de Meshak Elia et ensuite Doulin était battu sur le contre favorable à Castriotti Meri. Il ne faut pas non plus s'endormir, on dira pour les Servettiens. Ibé qui laisse le ballon, qui laisse le jeu à son adversaire, ce qui est totalement logique au vu du fait qu'ils sont en infériorité numérique. Mais avec le talent de certains joueurs côté bernois, il ne faudrait quand même pas prendre ce 1-0 parce que derrière, Ibé est capable de fermer la baraque. Elia. Recherche encore une fois Imery. Ça risque quand même d'être un match long là pour Meshak Elia. Cogna qui finit au sol, la faute est signalée par Monsieur Schneider. Encore un coup franc. Il faudrait en profiter un petit peu mieux là désormais pour les Genevois qui n'arrivent pas forcément pour le moment à déstabiliser la défense adverse dans le jeu. Pourquoi pas le faire sur coup de pied arrêté. L'avantage pour Ibé, c'est que Elia il peut tout donner. Hein. Cosa Venza, Mesulbon ou Montero, qui au niveau vitesse c'est pas mal aussi. Voilà, vous n'avez pas besoin de calculer et gérer l'effort. C'est vrai que qui plus est avec 5 changements en deuxième mi-temps, il y a pas mal de monde sur le banc qui a le niveau pour rentrer en deuxième période. Ce coup franc tiré deuxième poteau, la remise. C'était mieux botté cette fois-ci, c'était Timothy Cogna. Attention, ça peut partir très très vite peut-être avec 3 Bernois qui se projettent. Le ballon n'a pas été donné là. Imery. Ouais, qui réclame une faute, pas l'impression qu'il y a quelque chose, mais attention, ça repart pour Ibé quand même. Avec un ballon sur Rueg. Ah, les Servettiens se battent, en tout cas sur tous les ballons, et vont finir par avoir le coup franc, celui qu'Imery n'a pas eu il y a quelques instants. Et on va évidemment aller se soucier de l'ancien Genevois. Protection de balle face à Pfluckel en. On revoit, il n'y a pas de faute à mon sens, effectivement, Claude. Non, et Fouquet a bien joué parce qu'il était complètement fermé par 3 Servettiens, Imery. Il ne faut surtout pas faire la faute bête, là, et inutile. Il ne l'a pas fait, M. Schneider a senti le coup et a laissé jouer. Imery n'a rien, il s'est relevé, il est retombé suite à l'arrêt de jeu. Cette bonne guerre, on gagne un peu de temps, on arrive à la mi-temps. Mais il a l'air de souffrir hein, quand même, alors je sais pas si c'est un bon acteur, mais peut-être qu'on a loupé un léger contact sur sa cheville. Alors je m'en excuse s'il est vraiment touché, je ne sais pas, mais voilà, à mon avis, c'est plus de l'expérience et on casse un peu le rythme et on récupère. On verra tout ça, mais effectivement, après l'action, il s'est relevé et lorsqu'il a vu qu'il y avait faute dans l'autre camp, il s'est remis au sol à hauteur du milieu de terrain. Alors que là, on revoit la faute de Rieder. Il n'y en avait pas vraiment non plus, hein, honnêtement. Mais voilà, ça a été signalé. Imery, vous ne le voyez pas, mais il est debout. Et il va revenir certainement très rapidement gambader sur le terrain. Cogna. Avec Clichy. Et voilà, Imery qui rentre en boitillant. On verra si il y a véritablement une douleur par la suite. Il boite plus, on est rassuré. Ballon sur Cogna, là c'est une bonne transition pour Servette avec Rodelin qui remet finalement sur Stevanovic. Il n'a pas pu frapper. Le centre, deuxième poteau, direction Koutessa. Ça revient sur Cogna dans un deuxième temps. Clichy. Sur Cogna, c'est difficile et c'est bien défendu avec Rueg et Imery. Elia, il peut mettre de la vitesse là, attention, même s'il y a beaucoup de Servettiens avec lui, il est capable
d'aller tout seul vers le but, mais Chakelia encore. Et finalement, le bon retour de Doulin. Là encore, Elia qui reste au sol. Oh, attention, ballon perdu bêtement. Ouais, c'est un peu du grand n'importe quoi en ce moment, mais Servette va finalement pouvoir partir vers l'avant. Avec Rodelin. Rodelin qui continue son action, Stevanovic qui a tenté de remettre. C'est finalement une récupération pour Fasnacht. Elia est debout. Donc le jeu va pouvoir se poursuivre. Clichy. Doulin, Stevanovic, Bauer qui va venir faire l'appel dans son dos pour pourquoi pas centrer. Bauer obtient-il le corner? Oui, à quelques minutes du terme de cette première mi-temps. On va retrouver Pluquet pour aller le tirer. Il faut soigner hein, juste avant la mi-temps. C'est un ballon important. Et montée de Vouillot, de Montero. On le joue à deux pour le moment. Koutessa, Pluquet pour mettre dans la boîte. C'est chose faite, direction deuxième poteau. Rodelin s'était extirpé là du tas. Pluquet de retour dans l'axe qui remet dans le paquet également. Mais finalement, ce sera un ballon pour Young Boys. On n'arrive pas pour le moment côté Servettien à profiter de ces coups de pied arrêtés. Il y en a eu plusieurs, pas tous forcément bien bottés. Et ça va pas plaire au à la section Grenat, évidemment. Van Balbos qui demande à son équipe de monter, qui change de côté pour ce dégagement aux 5 mètres. De la tête de Nias hein. Avec la sortie d'Eaton, c'est souvent Nias qui monte d'un cran pour venir toucher ses ballons aériens. Clichy jusqu'à son portier Montero. Doulin. Et de sortir proprement. Il y a un léger pressing là de la part des Bernois. Rodelin. Ouais, magnifique. Un peu chanceux sur la deuxième touche. Stevanovic va-t-il pouvoir contrôler? Il est juste trop court. Cette fois-ci, le ballon de Pluquet était plutôt bon. Garcia pour Fasnacht. C'est récupéré par Doulin. Allez, Servette, tiens, vont-ils encore une fois se projeter? C'est Siger devant Stevanovic. Bien joué de la part de Montero qui passe devant Elia. C'est propre. Pour une première mi-temps en tant que titulaire en Super League, Montero aura fait le job. La remise en touche, Clichy. On sent que les Genevois ont envie de mettre du rythme en cette fin de mi-temps. Et Bernard ont beaucoup couru après le ballon hein, lors de ces 45 premières minutes. Il y a peut-être aussi un peu de fatigue. Là, ça doit aller plus vite. On aurait pu trouver le décalage direct sur Bauer. Il faut mettre la vitesse. Il faut mettre la vie au ballon. Il faut mettre la vie au ballon pour bouger ce bloc Bernois. À chaque fois, il y a 2-3 touches de balle. Le jeu qui est déjà reparti avec Bauer. On aura certainement une voire deux minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps avec le rouge d'Eaton et également les légères blessures de Von Balmos et d'Imery. Ballon sur Rodelin qui ressort, Pluquet qui a hésité, qui retrouve Rodelin. Ça c'est bien joué, Konya qui rentre dans les 16 mètres. Le changement de jeu pour Stevanovic, il a Bauer derrière lui. Finalement il tente de se mettre sur son pied gauche. Ça ressort, Pluquet. Servette qui pousse en cette fin de première mi-temps. Ce serait évidemment le moment idéal pour prendre les devants. On est rentré dans ce fameux temps additionnel il y a deux minutes. Konya. Écoutez ça. Avec Gaël Clichy, l'appel complètement de l'autre côté.
de l'autre latéral. C'est Bauer qui est dans le dos de Garcia. Deuxième ballon, Stevanovic. Ça va peut-être revenir encore une fois. Montero qui tente un centre en première intention pour Rodelin. La déviation en direction de Kutesa. Ça n'arrive pas. Imery, ouais, le bon pressing d'Eric Kutesa, mais ouais, Imery qui prend un risque à la relance. Le ballon est récupéré, Kutesa. Il y aura encore une possibilité, Konya. Bonne fin de mi-temps là pour Servette. Konya qui tente le shoot. Ça passe à côté. On a vu qu'il voulait ouvrir son pied pour chercher la lucarne opposée. Je trouve que ce que font les Servettiens est très bien. On essaye de passer par les côtés, dédoubler. Après, ce qu'il manque, à mon avis, c'est plus de spontanéité. Une fois qu'on a trouvé le décalage, il faut amener le centre plus rapidement et amener du monde de la surface. C'est ça, à mon avis, qui manque, parce que Servette essaie de bouger ce bloc. Il arrive bien souvent avec Stevanovic, Bauer sur le côté droit et Kutesa, notamment à gauche. Mais derrière, il faut que ça parte beaucoup plus vite et il faut attaquer ce but parce que voilà, Servette doit faire la différence. Et il faut amener du monde de la surface. Ouais, et les Servettiens qui sont les meilleurs également sur les deuxièmes ballons. On a vu hein, quelques reprises. On pensait que les Bernois avaient récupéré le ballon sur la dernière séquence. Et finalement, eh bien, ça a été le contraire avec les Servettiens qui ont repris ce cuir. Attention, il y a peut-être une dernière occasion pour les Bernois. Corner. Corner, alors qu'on est au terme du temps additionnel. Monsieur Schneider qui semble laisser jouer. Alors ça, ce serait quand même un sacré camouflet après cette bonne première mi-temps de concéder à ce moment-là, sur un corner, l'ouverture du score. On ne le souhaite pas, évidemment, au Grenat. Cessiguer est monté. C'est parti pour Castriotti-Méry. Deuxième poteau, la bonne défense, signé Clichy. Et ça va permettre aux 21 acteurs de rentrer au vestiaire puisqu'il en manque un, et c'est d'ailleurs le fait de jeu de cette première mi-temps, Cédric Eaton qui est donc qui a été expulsé après moins de 20 minutes de jeu. Première mi-temps intéressante de la part des Servettiens, mais on l'a dit, il faut encore un tout petit peu plus pour faire la différence. Oui, je trouve c'est bien ce qu'ils font à 11-10, c'est jamais évident. Ils mettent de la vitesse, ils mettent du rythme, ils essaient de bouger ce bloc, mais c'est sur les derniers gestes, sur le dernier centre, c'est là qu'il faut, il faudrait finir l'action, j'ai envie de dire. Mais c'est bien, moi je ne changerai rien, je continuerai. Il faut qu'ils y croient et il faut forcer le destin. Vous êtes à 11-10, c'est peut-être le match rêvé pour aller recoller un peu IB. Par contre, IB de l'autre côté, c'est vrai que on a une équipe pour un leader qui prend pas beaucoup de risques. Alors il y a eu cette expulsion, mais même en début de match, on a l'impression qu'IB veut laisser le jeu à l'adversaire. Oui, mais il vient en position de leader avec une avance confortable. Voilà, vous laissez venir, vous regardez pour voir. Et maintenant, ils sont dans la gestion, forcément, à 10 contre 11. 0-0, donc à la pause entre le Servette FC et l'équipe de Young Boys dans ce duel des bien classés. Et on va aller tout de suite à l'interview avec Mathias Froidevaux et un joueur servettien.
Et oui, et vous le voyez, c'est Vincent Sierrot qui va rentrer sur le terrain pour cette deuxième mi-temps. On aimerait quelque peu s'excuser auprès de Castriotti Méry qui a, semble-t-il, terminé sa première mi-temps avec tout de même un léger bobo et suite à la fameuse action où il était resté au sol. Ça ne lui avait pas empêché de tirer au but, hein, sur cette fameuse action que vous avez remontrée durant la pause. Mais il n'y aura donc plus de Castriotti Méry sur le terrain en deuxième période. C'est un changement poste pour poste avec Sierrot qui a un premier ballon et qui va obtenir un premier corner. Sierrot quand même un profil un tout petit peu différent de celui d'Imery, un poil plus défensif également et pas forcément un joueur de couloir, ça c'est certain. Oui, mais c'est un petit peu différent, mais Sierrot a l'habitude de jouer dans ce milieu de terrain, il a marqué la semaine passée, donc voilà, il est bien, il est en confiance. Corner pour Ibé, ça passe quasiment toute la défense, ça ressort pour Stevanovic. Autre fait intéressant durant la pause, on a vu 8 personnes venir remettre en état le terrain. Ronny Rodelin en a parlé à l'interview avec Mathias Froidevaux. Eh bien, il y avait du travail à la mi-temps, pas facile apparemment de jouer sur cette pelouse cet après-midi. Oui, on a vu les appuis, hein. Les appuis sont très difficiles, beaucoup de joueurs glissent. Effectivement, le terrain est relativement gras. Et il a souffert en première mi-temps. Et on retrouve l'attaque-défense que l'on a vu à plusieurs reprises en première mi-temps avec les Servettiens qui prennent possession du ballon et les deux lignes de 4 qui reculent côté IB. Cogna, le contre est favorable entre les deux numéros 8 face à Sierrot. Bauer qui va pouvoir centrer. Premier poteau, la tête de Rodelin, ça passe tout droit, ça a failli tromper Von Balmos avec un Bernois qui a bien failli mettre un but contre son camp. La bonne première action des Servettiens avec un ballon mis dans le centre. Et c'est Fasnacht et Rueck qui se foncent dedans. Ouais, un ballon mis en première attention avec des Genevois qui sont dans la surface. C'est ça à mon avis qui a manqué en première mi-temps. On retrouve Patrick Flüchel, l'Allemand, qui botte ce corner. Premier poteau, il y a aussi du monde. Ça ressort. Cogna. La remise en direction de Montero, un homme au sol. Et c'est un hors-jeu qui est finalement signalé au tout début de l'action. Par Monsieur De Almeida, hors-jeu dans les 16 mètres. C'était sur la remise au deuxième poteau sur Kutesa. Alors on regarde un peu tactiquement s'il y a du changement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Hein. Rodelin évidemment, Kutesa et Stevanovic n'ont pas bougé. Peut-être que dans ce genre de match, la percussion de Fofana pourra faire du bien en deuxième mi-temps, à un moment ou à un autre de cette période. Oui, il a cette faculté à éliminer. À provoquer, éliminer, c'est vrai qu'il peut amener un peu de folie. Le tacle là de Pfluquet qui tente de servir un coéquipier, ce sera finalement une touche pour les Grenats. Avec Vouillot à la relance, à nouveau hein, le bloc qui redescend tout de suite, pas de pressing à effectuer par les Bernois qui attendent. À hauteur du milieu de terrain, Bauer, déviation Stevanovic pour Cogna qui recherche Stevanovic, ce sera trop long. En tout cas, on tente assez régulièrement hein, de passer par ce côté droit, Bauer, Stevanovic qui ont de nombreuses possibilités de centre. Et on retrouve Von Balmos. Il y avait énormément de ballons hein, en première mi-temps. C'est vrai que beaucoup de 5 mètres à effectuer. Ça veut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de déchets également côté Servettien sur les balles en profondeur. D'où les nos duels qui laisse passer. Il y a une bousculade, un coude dans la nuque de Doulin de la part d'Elia. Il a tout tenté pour monter à la hauteur de Doulin.
Mais en l'occurrence, il a fait faute. Bouillot. Avec Pluck qui vient faire le relais. Ballon par-dessus, Cogna. Déviation pour Bauer. C'est récupéré par Ibé avec cette faute sur Sierro. Young Boys, quand même, même à 10 contre 11, finalement assez serein en première mi-temps, qui n'a pas concédé d'occasion. Claude Riff le disait, on a quand même affaire aux deux meilleures défenses du championnat et ça se voit. C'est Siger en leader. Alors Lustenberger également, vous allez me dire. On a aussi la présence de Nias devant la défense, très très important depuis de nombreuses semaines. Beaucoup plus de solidité que la saison dernière dans cette équipe bernoise. Et finalement, ça ne change pas grand-chose. Le fait d'avoir un attaquant de moins, eh bien, la solidité défensive reste la même. Même s'il y a potentiellement plus de travail. C'est Siger. Doulin qui peut toucher. Attention, Elia qui est le premier sur ce ballon. Il y a peut-être une opportunité pour Fasnacht. Elia qui n'a pas pu le servir. Clichy. Avec Pluquet, encore une fois c'est raté. Sierro, Nias. Fait monter Rueg. À gauche c'est Garcia, l'autre latéral. Première possession pour Young Boys dans cette deuxième période. Ouais, les Servettiens qui ont reculé par rapport à la première mi-temps, vous allez vraiment chercher les Bernois assez haut. Là, on voit le bloc beaucoup plus bas, beaucoup plus attentiste. Bien sûr qu'il faut, il y a l'opportunité d'aller gagner ce match aujourd'hui et de recoller, mais il ne faut pas tout perdre et se découvrir bêtement et se ruer à l'attaque. Il y a encore le temps pour Servette. Attention, la Garcia qui est passée face à Bauer, qui va pouvoir mettre ce centre. Bonne anticipation de Nicolas Vouillot. Sierro, on retrouve Garcia. Centre sur Fasnacht, la reprise. Ouais, il faut faire attention sur ce genre de ballon. C'est quasiment la plus grosse occasion depuis le début de la rencontre, hein, cette demi-volée de Fasnacht. Centre à mi-hauteur avec rebond, ouais, et Jérémy Frick. Magnifique reprise de Fasnacht, elle n'est pas évidente. Hein. Elle vient, elle tape avant. Et, elle rebondit très haut. Frick est attentif. Ouais. Ouais, qui a pu capter directement. Il ne peut pas faire autre ballon. Chose que la placer. Il ne peut pas la taper, il la place. Petit filet, c'est très bien joué. Mais Frick est à tout. Mais ça prouve, hein, aux Servettiens, bon, il le savait certainement, mais ça prouve qu'il y aura du danger dans cette deuxième mi-temps. Et ballon un peu entre deux. Finalement, ça arrive sur Stevanovic. Clichy. Ballon dans les 16 mètres. Cogna qui tente de se mettre en position de frappe. Cogna encore. C'est contré à deux reprises. On a bien là trouvé Timothée Cogna dans l'intervalle. Montero, Vouillot. Ouais, par moment, on voit, hein, Stevanovic qui vient se placer dans l'axe du terrain et Rodelin qui dézone beaucoup. Ouais, trio offensif qui se déplace, qui ne reste pas en position, et ça c'est plutôt une bonne chose. Attention, la Rodelin qui s'est fait passer devant. Ça peut peut-être donner un contre, et non, le ballon de Sierro et de Rieder est manqué sur Garcia. On n'arrive pas là à trouver l'intervalle entre Clichy. Écoutez ça, ballon récupéré, bonne protection de balle de Doulin. Ah, le bloc est très très rapidement mis en place, hein, par les blancs. Vous voyez clairement ces deux lignes de 4. Et Elia qui vient en plus boucher les premières passes.
Il y a peu de mouvement hein, des attaquants servetiens, de Flouquet, de Cogna, de Rodelin, très peu de mouvement, donc c'est somme toute assez facile pour Ibé à défendre. Le voici peut-être ce mouvement, Rodelin qui a pu mettre ce ballon en retrait, il s'est écroulé après sa passe. Pas de faute selon Monsieur Schneider, là non plus sur Meshak Elia. Il laisse jouer, ce n'est pas plus mal. On retrouve Rodelin avec Tessa Cogna. Remise compliquée. Ah, Elia qui doit venir faire les efforts hein, pour aider ses compatriotes, ses coéquipiers défensifs. Ah, le bon tacle de Ronny Rodelin. Alors que vous ne le voyez pas, mais les Servettiens ont allumé quelques engins pyrotechniques. Heureusement, la fumée ne va pas en direction du terrain. Ça ne va pas nous empêcher de poursuivre cette rencontre. Alors, on revient à une position de hors-jeu au tout départ de l'action. C'est un petit peu haché, hein, cette reprise deuxième mi-temps. Et ça empêche les Servettiens de mettre du rythme. Et la deuxième mi-temps a de la peine à décoller. On en parlait à la pause avec Claude Riff et Alain Rochat. C'est vrai que le fait d'avoir un 11 contre 10 aussi rapidement dans le match, ça casse quand même un petit peu le fait d'avoir un choc au sommet, d'avoir deux équipes joueuses. Le match est complètement chamboulé, on peut le dire. Ah oui, mais c'est évident. On n'aime pas voir ça, une expulsion après 10 minutes ou 15 minutes de jeu, parce qu'effectivement, les données sont complètement faussées. Là, en l'occurrence, malheureusement, il n'y avait pas le choix. Un mauvais réflexe d'Eaton qui doit bien sûr pas arriver. Donc l'expulsion est justifiée, mais c'est vrai que ça nous casse un petit peu l'excitation de ce match. Et ça nous offre certainement un moins beau spectacle que si l'on avait eu un 11 contre 11 durant toute la partie. Avec pour l'instant Ibé qui ne prend pas de risque et un Servette qui a du mal à trouver des solutions. Il manquerait peut-être un but quand même pour lancer également cette rencontre. Mais pour avoir un but, eh bien, il faut avoir des occasions. Et Claude Riff l'a bien rappelé à la pause, on n'a pas vraiment eu des occasions, mais plutôt des opportunités d'un côté ou de l'autre. Ah, Garcia qui se défait facilement de Stevanovic. Ballon sur elle, il a bousculé. Ça revient dans un deuxième temps sur Rieder. Et la montée de Rueg à droite, on ne l'a pas vu et on ne l'a pas servi. C'est Siguer. Alors, il y a eu un problème pour Von Balmos. Hein. On rappelle qu'il s'est blessé en première mi-temps. Là, il a tout de suite montré que ça n'allait pas. C'est le genou, j'ai l'impression. C'était plutôt la cheville en première mi-temps. Ouais. Il a l'air de se tenir à hauteur du genou sur ce contrôle anodin, mise en retrait de Cessiguer. Il a tout de suite dit, demandez aux Servettiens, ne venez pas me presser. Ouais, alors. Mais il a quand même réussi à dégager derrière. Ah, bizarre, là, cette phase de jeu. Le genou est venu sur l'intérieur. Hein. On a vu que le genou est rentré. Ligament interne. J'espère que c'est pas grave pour. Alors, en tout cas, cette fois-ci, Raciopi est en train de se préparer. On va certainement pas prendre de risque hein, pour David Von Balmos. Alors, il n'y a pas que Raciopi, il y a également des joueurs de champ qui sont en train de se préparer. On a Aurel Amenda notamment et Joël Monteiro, me semble-t-il. Ouais, le numéro 77, vous l'avez à l'image. Donc, on risque d'avoir un triple changement là à l'heure de jeu. Ah, ça ne va pas nous donner plus de rythme, hein, cette action, là, ce fait de jeu. Ah, c'est quand même un après-midi compliqué pour Young Boys avec l'expulsion d'Eaton, avec la sortie également sur blessure d'Imery et là peut-être également cette sortie de Von Balmos.
On a une quantité de bons gardiens suisses en ce moment, mais ils sont tous en train de se blesser les uns après les autres. En Allemagne, Yann Sommer a connu la blessure. Omlin a également été blessé ces derniers temps avec Montpellier. Van Balmos qui, en l'absence de l'un ou l'autre gardien, pourrait briguer une place peut-être dans le cadre élargi pour la Coupe du Monde, semble également en petite forme, même si pour le moment il risque de continuer. On fait les deux premiers changements, Montero et Amenda. Sortie de Fastnacht. Et Lustenberger. Et de Lustenberger. Alors Amenda qui va aller prendre place dans la défense centrale à 19 ans. Aux côtés de Sessiger. Alors est-ce qu'il y a un problème également pour Lustenberger? Est-ce qu'il a demandé à sortir à l'heure de jeu? Ou alors est-ce un choix tout simplement d'entraîneur? Ça peut paraître surprenant, en tout cas, de changer un défenseur central aussi expérimenté à ce moment-là du match. Alors, quant à Van Balmos, lui, est resté sur la pelouse. Et là, ce qui est intéressant également, c'est que IB change de système. On voit que Montero va venir se mettre à la pointe de l'attaque avec Elia. Une sorte de 4-3-3 désormais. 4-3-3. Plutôt un 4-3-2, vu qu'il manque un joueur. Attention, Piquet, ça qui est passé. Première intervention pour Amenda, qui met directement en tribune. Alors Elia va venir se placer dans ce milieu de terrain à 4. En tout cas, lorsque IB avait le ballon, on avait l'impression vraiment qu'IB jouait à deux pointes. Mais là, c'est clair, en zone défensive, Elia qui vient bloquer le couloir. En tout cas, il y a quelque chose qui est tenté côté Zoltán Kadar. Récupération d'Oulin. Qui a un peu d'espace. Contrôle poitrine réussi. Cherche une solution. Ça lui revient dans un deuxième temps. Il va pouvoir changer complètement le jeu avec Stevanovic. Bon ballon de Fluquet. Stevanovic pied droit sur Cogna. La reprise. Ça passe à côté de la cage. Allez, Van Balmos ne va pas pouvoir continuer. Cette fois-ci, c'est terminé pour David Van Balmos, qui a immédiatement fait un signe à l'arbitre. Hachiopi est prêt, on revoit l'action avec ce ballon touché de la poitrine par Sessiger. Ça prenait la direction du but. Alors Van Balmos est déjà dehors du terrain, Hachiopi lui n'est pas encore venu le remplacer. Alors contrairement à un joueur de champ, on ne va pas pouvoir jouer ce corner sans gardien, Claude. C'est compliqué. Voilà, Hachiopi qui fait son apparition. Les coups durs qui s'enchaînent, décidément, pour Young Boys. Alors, Hachiopi, c'est un gardien capable de tenir la situation, de tenir la baraque également. C'est parti pour ce corner de Fluquet tiré dans la boîte. C'était un bon corner, la hauteur des 5 mètres. Mais ça a été touché, puis dégagé par les Bernois. Bauer. Long changement de jeu complètement raté, mais au deuxième ballon, ce sera un Servetien. On ne s'est pas très bien parlé avec Amenda, le Biennois, qui a remis ce ballon directement sur Kutesa. Bauer. On a donc déjà 4 changements à effectuer côté Young Boys. Aucun pour le moment par Alain Jäger. Ça ne saurait tarder apparemment. Ils sont plusieurs en tout cas à l'échauffement.
Doulin. Très solide là, la perte du ballon, il l'a tout de suite récupéré. Par contre derrière, pas facile cette longue ouverture pour Rodelin. Ils y sont pas les Servettiens, ils étaient mieux en première mi-temps. Là ils ont beaucoup de peine à mettre du rythme, à emballer le match. Il y a très peu de mouvements, on ne trouve pas les décalages comme en première mi-temps pour pouvoir amener des centres. On l'a vu qu'une fois ou deux avec Stevanovic. Du côté de Kuteza, on ne passe absolument plus. Et les Bernois, je regarde, les Bernois, ils déplacent le bloc en marchant. Il y a zéro risque, il y a zéro danger. Donc voilà, en ce moment, je suis plus inquiet pour Servette parce que Ibel, la récupération va très vite. Et Servette doit se méfier. Ouais, avec l'entrée de joueurs comme Montero, ça peut mettre du danger sur la défense servettienne. 25 minutes encore à jouer, hein. Il y a du temps hein, pour marquer ce fameux goal qui pourrait bien être le but vainqueur hein. Aujourd'hui j'ai pas l'impression qu'on va terminer à plus d'un but. Attention là, Rodelin qui a pris un coup au visage et ce sera un carton pour contre Cessiguer. Il est énervé, Cessiguer. Ouais, alors pas certain que ça vaille un carton. Hein. Non. Faute, pourquoi pas, dira-t-on. Mais ce carton est très très sévère à l'encontre de Cédric Cessiguer. Et s'il est énervé, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il va manquer tout simplement la dernière rencontre du 13 novembre prochain contre Lucerne. Le coup franc a été joué, mais ça ne donne rien. On sent quand même effectivement ce Servette FC sans solution dans le jeu, sur coup de pied arrêté, dans tous les domaines. Les Bernois sont assez sereins et tranquilles. Et là, c'est clair qu'à 10 contre 11, et au vu des nombreux coups durs qu'il y a eu dans cette rencontre, eh bien, IB sera certainement tout content de finir cette partie sur un 0-0. Achopi. Directement sur Pluquet, Rodelin. Ah, ça c'est bien joué. Avec l'appel de Stevanovic, ça ne passe pas. Bonne défense, signé Cessiguer. Elia. Le crochet de Meshak Elia, mais il est trop long dans un deuxième temps. Stevanovic repart avec Kutesa. Le ballon a été perdu, récupéré par Monteiro. Attention, là il y a quand même de l'espace pour les Bernois. Il faut venir fermer. Garcia. Le centre de Garcia. Pas grand monde là-bas au deuxième poteau. C'est bien communiqué entre Clichy et Jérémy Frick. Dessus, c'est Amenda qui sera le premier face à Rodelin. Rodelin qui vient sauver ce ballon. Alors on a regardé l'arbitre assistant, il n'a pas souhaité lever son drapeau. On avait l'impression dans un premier temps que le ballon était sorti. Il n'en est rien. Amenda qui finit par dégager ce ballon. Les 5 attaquants servettiens ne bougent pas. Ils sont à l'arrêt, ils marchent et ils ne pouvaient pas trouver les solutions. C'est impossible. Et on redouble de passes derrière, mais on n'avance pas d'un mètre. On se met même parfois en difficulté. À la différence, elle doit venir de joueurs peut-être comme Cogna et Pluquet qui doivent chercher les intervalles. Un Fofana peut-être qui voilà, à part sa créativité, sa vivacité, peut aller affronter, éliminer. Peut-être un, deux Bernois créent un surnom, parce que là il se passe absolument rien et je suis pas étonné qu'Alain Guéguer procède à des changements. Et puis on n'est pas étonné de voir sortir Pluquet qui n'aura pas réussi une grande rencontre aujourd'hui. Sorti également de Derek Kutesa et entrée de Fofana, vous l'avez dit, et également d'Alexandre Diaz. Alors on nous indique un numéro 42, mais c'est bien lui, hein, même s'il a le 41 aujourd'hui. C'est bien donc.
Alexandre Dias Patricio pour sa deuxième apparition seulement cette saison en Super League. 12 minutes de jeu pour le moment pour lui. Il en aura un tout petit peu plus aujourd'hui. Attention, là ça peut partir vite pour Young Boys avec Montero. Joël Montero qui décale Elias, c'est beaucoup trop long. Dans un duel de Montero, là, Joël face à Diogo. On va vous donner les prénoms pour que ce soit plus facile. Rieder avec Amenda. Garcia. Ciro qui a été se promener là tout à gauche du terrain. Nias. Rieder, c'est bien joué, il y a de l'espace pour Garcia avec Montero devant lui. Montero, cette fois-ci, il trouve Elia dans les pieds. Elia qui se met sur son pied gauche, frappe puissante directement sur Jérémy Frick. Mais attention, les Servettiens qui laissent quelques espaces au Bernois. Même à 10, hein, Bernet supérieur dans la maîtrise, dans la qualité technique, hein, il y a beaucoup moins de déchets. Les Servettiens ont beaucoup trop de déchets techniques aujourd'hui pour enchaîner deux passes. C'est difficile. Ah, bien joué là, de la part de Fofana qui finit sur les fesses, mais sans faute, selon Urschneider. On parlait de cette faculté d'élimination, possible de dribbler un, voire plusieurs adversaires. Il est resté au sol, là, Fofana. Servette. Va tout de même jouer avec énormément d'espace pour Bauer. Est-ce qu'il va tenter sa chance? Non, il centre, deuxième poteau avec la présence de Dias. Et finalement, ce ballon qui sort, mais Fofana s'était relevé entre temps. On revoit. Il avait quand même trois Bernois autour de lui. Ah, difficile de signaler une faute. Il a. Un joueur qui le bouscule, il retombe sur un autre Bernois. On est rentré déjà dans les 20 dernières minutes, hein, ça n'avance pas beaucoup pour le moment dans ce match, mais le temps qui file, les occasions qui n'arrivent pas en revanche. C'est compliqué, hein, ce ballon sur Fofana, intervention Rueg qui tente de partir tout seul à l'abordage. Alors ils arrivent à conserver ce ballon, les Bernois, mais d'une manière assez improbable là, entre Rueg et Elia. Et encore une fois Montero. Oh là là, incroyable ce que vient de faire Rieder. Et ce sera finalement une faute. Mais alors cette action, elle est assez symptomatique. Les Bernois qui ont remporté tout leur duel 1 contre 1 sur la sortie du ballon de Rueg à Elia en passant par Montero et Rieder. Et c'est ce dernier qui obtient la faute signalée contre Stevanovic. C'est vrai qu'on a cette impression que Servette est presque sorti de son match avec le jeu haché du début de deuxième mi-temps. Là, ils sont incapables de se montrer deux joueurs pour un mi-temps. Il n'y a pas eu de grosses occasions, mais il y a eu des opportunités. On a dédoublé, on a amené du monde. La deuxième mi-temps, c'est trop poussif. On n'arrive pas à se faire de passe. Il y a beaucoup de déchets techniques. Les dédoublements ne se font plus. Les quatre attaquants sont statiques et ça débouche sur rien. Et au contraire, c'est IB qui mène les à la fenêtre et qui se montre le plus dangereux. Attention à ne pas se faire punir sur ce coup franc. Oh, il était splendide. Ciro, ça passe pas loin, on était presque déjà en train de crier but. Il est magnifique ce coup franc. Et ça a fait peur à toute la section Grenat. Jérémy Frick, pas très loin non plus de ce ballon. Mais... Ouais, mais j'ai l'impression qu'il était en retard. Pour moi, il y avait but et elle n'a pas dû passer vraiment très loin. Ouais. La punition là n'était pas loin pour Servette qui n'arrive pas à se créer des occasions et qui pourrait bien concéder quelque chose dans cette fin de partie. On retrouve Montero, Vouillot, comme souvent les défenseurs qui font tourner.
Yvelines. Mais encore une fois, hein, les joueurs les plus offensifs de Servette qui sont en ligne. On a Rodelin, Dia, Stevanovic. Et à l'arrêt. Difficile de trouver des solutions dans ces cas-là. Et au contraire, c'est à chaque fois des possibilités de contre-attaque qui peuvent intervenir. Amenda par-dessus. Ah, Montero qui remporte son duel. Et finalement, Diogo Montero qui vient s'interposer devant Joël Montero. Bauer. Un éclair de gêne, peut-être de Fofana en cette fin de rencontre ou d'un autre joueur. On a l'impression que c'est ce qu'il faudra pour tourner le match. Hein. Une individualité. Il y a même, on va pas parler encore de sifflet, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui s'impatientent là dans ce stade avec quand même pas mal de passes manquées, très peu d'idées. On s'attendait peut-être à autre chose, à la fête du football avec un stade de Genève bien rempli aujourd'hui. Plus de 15 000 personnes, ça faisait longtemps. Il y en a peut-être certains qui vont rentrer déçus de cette rencontre. Oui, c'est sûr, les gens commencent à s'apercevoir à juste titre parce qu'il ne se passe absolument rien côté servetien. Vous avez raison, il y a une ligne de 4 devant qui ne bouge pas. Personne décroche, vient entre les lignes pour essayer de trouver la solution. Et voilà, et on joue des longs ballons qui sont imprécis. Et c'est vraiment symptomatique. Deuxième mi-temps est identique à cette action. Est-ce que dans ce genre de cas, ce serait pas peut-être aussi un défenseur ou quelqu'un de venir de l'arrière, de monter une fois avec ce ballon, de prendre peut-être ses responsabilités? Oui, vous pouvez éliminer une ligne, mais voilà, attention à ne pas se découvrir non plus, ne pas se faire punir et tout perdre, parce que malgré tout le point, on me dira 11 contre 10, mais ça c'est pas important, le point ici contre Berne n'est pas honteux. Mais voilà, il y avait peut-être, on a l'impression qu'il y avait la possibilité d'aller chercher quelque chose de plus aujourd'hui, suite à l'expulsion de Keaton. Il y avait clairement, il y a encore la possibilité de s'affirmer en tant que dauphin d'IB et pourquoi pas même plus dans la suite de ce championnat. Le championnat qui restera évidemment très très long. En cas de nul, eh bien, Servette resterait en ce moment à 7 unités de son adversaire du jour. Il y aurait l'occasion de revenir à 4 points ou alors de prendre 10 longueurs de retard. Ça change quand même pas mal de choses pour la suite, alors que là on vient encore de voir une erreur technique. Et Nias l'a pressé par Cogna. Et malheureusement à la récupération, ça s'est immédiatement perdu par Rodelin. Cogna. On retrouve Ronny Rodelin. Vouillon Montero, je pense que c'est les Servettiens qui ont touché le plus le ballon. Mais c'est pas forcément positif. C'est pas bon signe. Ça c'est un bon ballon sur Fofana, mais ensuite il faut mettre de la vitesse. Ouais, ballon perdu par Cogna. Puis récupéré, mais encore une fois, c'est très très difficile. Après, il faut aussi relever que voilà, Young Boys défend très très bien, laisse vraiment aucun espace. On voit Cédric Sessiguer encore à l'instant qui parle énormément aux autres défenseurs. Oui, je suis d'accord, on parle de la meilleure défense du championnat, ça je vous laisse. Mais est-ce qu'on a essayé de les bousculer ou de les mettre en difficulté? C'est pas le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils ont vraiment joué dans un fauteuil. Je vous l'accorde, Claude. J'essaye de, entre guillemets, trouver des excuses aux Servettiens. Nias.
Là, c'est une bonne récupération. Il faut en profiter pour Timothée Konya qui part vers l'avant. Le ballon pour Stevanovic. Stevanovic, la frappe, la latte qui vient sauver Andrea Raciopi. Il n'y avait pas de position de hors-jeu. Contrairement à ce que je pensais, il n'y avait pas d'hors-jeu. Et bien, la voici la plus grosse occasion. Ça ne joue à rien du tout, mais il est couvert par Garcia. Et derrière, on ne peut pas dire qu'il fasse le mauvais choix quand on vient toucher le poteau, la latte. Mais quoique, dans ce genre de situation, quand on a une occasion sur un match, eh bien, ça doit finir au fond. Mais ça peut-être relancer cette fin de rencontre avec les Servettiens qui se disent, bah voilà, il y a moyen, avec un peu de vitesse, un peu d'envie, de se créer des opportunités. Alors que là, il va y avoir un carton brandi contre Ronny Rodelin. Alors, au départ de l'action, c'est un ballon contré. Ensuite, il fait pas grand-chose, hein, mais mais il y a peut-être un coup dans le visage de Cessiguer involontaire. C'est son deuxième avertissement de la saison, donc pas de risque pour lui d'ici la pause de la Coupe du Monde. Aucun risque pour lui d'être suspendu. Pour le moment, enfin sauf s'il prend un deuxième jaune d'ici la fin du match, évidemment. Et Zoltán Kadar qui a donné encore quelques consignes là à Sierro et Montero. Alors on parlerait peut-être pas de hold-up étant donné que Servette n'a pas eu non plus énormément d'occasions, mais c'est vrai qu'Ibé dans cette fin de match, pourquoi pas tenter quelque chose tout de même avec Elia, avec Montero. On n'aura pas vu, hein, en tout cas pour le moment. Jean-Pierre Nsamé. Ballon par-dessus. Thias qui va aller faire jouer sur Amenda. Alors que. Il y a eu un coup de sifflet d'Ours Schneider. Faute sur Doulin. Bon ballon là sur Konya, pas sûr que c'était volontaire au départ, mais en tout cas ça passe. Mais quel repli défensif. C'est encore une fois très très bien défendu dans ce duel 1 contre 1 par Rieder qui a bousculé son adversaire, qui a passé le corps devant Konya. Alors là aussi, pas certain qu'il y ait une énorme faute, mais en tout cas il joue très bien le coup, oui, Fabien Rieder. Effectivement, il passe devant et voilà. L'arbitre ne peut malheureusement que siffler. Ils font partie de ces joueurs qui auront également beaucoup donné, hein, des Rieder, des Elia qui auraient certainement apprécié avoir beaucoup plus le ballon aujourd'hui. Ils ne l'ont pas beaucoup eu, mais par contre ils ont fait les efforts. Attention, ce centre d'Elia, ouais, fallait parler. Pas certain que ça ait été chose faite entre Vouillot et Frick. Oh, Montero, là il est passé. Montero dans les 16 mètres. Attention à ne pas concéder bêtement un corner, voire pire, un penalty. Ah, ça ressort pas. Ballon encore une fois dans les 16 avec Ruegg qui ressort. Le débordement d'Elia. Il y a Montero dans les 16. C'est bien défendu cette fois-ci. Le Clichy qui attend là pour relancer. Le ballon n'est pas sorti des limites du terrain. Ça revient finalement sur un Servette avec une possibilité. Fofana. Ah, il y avait deux solutions devant lui. Il a préféré aller seul. Rodelin qui change complètement. Il y a de l'espace pour Diaz et peut-être Bauer devant lui. Ouais, c'est trop compliqué. L'idée était plutôt bonne, on dira. Mais alors la réalisation, beaucoup moins. Deux changements encore dans cette fin de rencontre avec l'entrée de Boris Cespedes. Milieu défensif, ce sera du poste pour poste pour David Doulin. Et la sortie de Power, entrée de Théo Magnin. En position de latéral, là aussi, du poste pour poste. Alors voilà, on vous avait prévenu en début de rencontre, il y avait pas mal de jeunes joueurs sur le banc pour Alain Gaguerre. Théo Magnin qui en fait partie, tout comme
Alexandre Dias. C'est sa troisième entrée en jeu de la saison pour Théo Magnin, latéral droit, formé au Servette FC et âgé de 19 ans. Récupération bernoise avec Rieder. Un appel d'Elia, bien coupé par Clichy, il le fallait. Ça pouvait partir dans l'autre sens. Cogna. Oh, il a deux Bernois sur lui, il s'en sort bien. Ouais, ouais. Le contre était favorable. Théo Magnin qui monte aux avant-postes pour son premier ballon. Stevanovic dans l'axe sur Rodelin. Retour à Stevanovic dans les 16 mètres. Stevanovic le centre. Et ça a été contré par Nias. Bonne action là entre les deux hommes. Et récupération servettienne. On est rentré dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. Peut-être que Servette va tenter de pousser dans ces derniers instants. Dias qui passe devant, mais sera encore une fois trop long à l'expérience. Hein, c'est Siguerre. Facile. Et il va vers son public. Le Cop Bernois. On sent qu'un point aujourd'hui est plutôt bon à prendre pour Young Boys. Hein, ce geste de Siguerre. Le démontre bien. Il y aura eu en tout cas beaucoup de caractère là côté IB dans cette partie. Rodelin qui doit faire le pas de retrait pour récupérer. Il se tourne mais il n'a pas de solution en tout cas immédiatement. Diogo Montero. Il y avait un bon appel de Dias. Finalement, c'est Magnin qui est trouvé. Vouillot. Magnin qui fait énormément d'appels là, depuis son entrée. Ça peut apporter quelque chose. Pour l'instant, il n'est pas trouvé. Attention à ne pas trop se découvrir non plus. Elia. Un contre un face à Clichy. La fougue face à l'expérience. Elia qui est passé le centre. Il n'y avait que Montero au centre. Magnin qui met le long de la ligne. C'est directement sur Garcia. Dans une zone de terrain compliquée. Ça revient sur Nias. Ça se débride un petit peu. Hein. C'est pas impossible qu'il se passe encore quelque chose. Dans ces... Il y a quelques espaces qui se créent. Effectivement, Claude. Nias à côté de lui, possibilité peut-être pour Ruek de frapper, oh, il en a trop fait. Et là, il y a de l'espace en contre. Rodelin avec Fofana. Ils sont 4, hein, les Servettiens. Il faut continuer cette action. Fofana, toujours la frappe de Fofana. On a presque envie de dire dommage. Quand on voit 4 Servettiens venir contre 3 Bernois, de finir par un tir contré de la sorte. Il n'y a pas eu de course de nouveau. Des courses croisées pour essayer de bouger la défense, pour essayer d'ouvrir un espace à Fofana pour aller au but. Voilà, on a fait les courses tout droit et c'était difficile pour Fofana de faire autre chose. Je trouve que c'était la solution. Malheureusement, la frappe est contrée. Encore un changement. Ce sera l'entrée de Samba Diba. Mais avant cela, on va, semble-t-il, jouer le corner. C'est Cogna qui sort. Il voulait aller tirer ce corner. Et finalement, on va demander à Fofana d'aller le tirer. Le dernier changement de la rencontre. Et Fofana, ce sera donc un corner sortant. Évidemment, tous les Bernois sont venus défendre. C'est parti, premier poteau, oh, ça passe tout droit alors qu'il y a eu deux possibilités pour des Servettiens, notamment Rodelin au deuxième poteau. Théo Magnin. Attention là, alors là, faut surtout pas perdre le ballon. Du coup c'est un ballon dans la boîte. La glissade de Ratiopi qui était au sol. Ah, si le ballon revient dans les pieds d'un Genevois, il y a le but vide, ou presque. Entre-temps, Guider a pris un carton jaune. On ne l'avait pas forcément vu.
Il ne jouera pas non plus comme Sessiger à la dernière rencontre contre Lucerne. Il commence à faire beaucoup. Et là, le centre que vous n'avez pas vu a été complètement raté. Et Raciopi qui en profite pour faire un tour de but. Ça ne plaît pas forcément à Hurschneider. Ah, si on en voulait la preuve, je pense qu'on peut le dire, il est très content avec un point. Oui, forcément, forcément. Et voilà, Servette sur le match d'aujourd'hui ne pouvait pas prétendre à plus, bien qu'il reste des arrêts de jeu. Et on voit que Servette essaye un petit peu plus. Ouais, ces 10 dernières minutes auront été meilleures et il reste 6 minutes à jouer. Ça donne un peu d'ambiance dans les tribunes. Le COP, la section Grenat y croit à nouveau. Ah, peut-être encore une possibilité, une action dans ces dernières 6 minutes. Alors que Lewin Blum va rentrer en jeu. Le latéral bernois. On vous disait le dernier changement en Genevois. Ben voici le dernier changement pour Young Boys. Sortie de Rueg, c'est du poste pour poste pour clore cette rencontre. Rodelin battu au duel, c'est une récupération bernoise. Ah, bien joué là ce que vient de faire Elia, il a pu changer de jeu. Garcia, Gnas, ouais, techniquement c'est juste d'un côté bernois. On les pensait en danger là sur cette action avec un pressing assez haut de la part des Servettiens. Ouais, magnifique, 0 pour Garcia. Garcia qui va aller obtenir un corner. Ouais, c'est malin côté bernois là, cette action. Sans vraiment être dangereux. Mais voilà, à l'expérience, à l'intelligence de jeu, ils vont obtenir un. Et la qualité aussi, hein, il y a quand même une qualité. Il y a quand même une qualité du côté d'IB qui n'a peut-être pas tous les cas de tous les joueurs servettiens. Et attention à ce corner pour Vincent Sierro. Il est capable de trouver une tête d'un coéquipier. Il s'est tiré deuxième poteau. Ah non, alors là, même troisième poteau, même si c'est récupéré par. Par Rieder. Ouais, ils se sont bien battus les Servettiens. Fofana n'arrive pas à remettre en direction d'un coéquipier. C'est Elia. Oh, c'est splendide ce que fait Elia. Il se balade. Parler de qualité technique, lui, il en a. Siro. Pour Nias, la glissade. Devant lui, la touche sera encore une fois bernoise. Dans la gestion en tout cas de ce temps additionnel depuis 3 minutes, IB est parfait. Garcia sur Montero qui va tenter de protéger son ballon face à Magnin. Retour à Garcia. Il n'y a qu'un homme dans les 16 mètres, c'est Elia. On ne va pas forcément chercher le centre, en tout cas pas pour le moment. Alors ça c'était compliqué par contre pour Garcia. Stevanovic, y aura-t-il un appel? Oui, mais trop compliqué là en 1 contre 1 pour Diaz de passer devant Amenda. Raciopi, il n'a pas pris de risque et il a bien fait. Allez, récupération servettienne, la dernière possibilité certainement, la dernière possession du ballon à environ 2 minutes du terme. Diogo Montero. Changement de jeu compliqué, ça arrive. Bouillot, on fait plus que. On est plus en train de reculer que d'avancer pour le moment. Ça, c'est un bon ballon sur Fofana qui est venu chercher. Maintenant, il faut accélérer. Il a plusieurs solutions. Fofana toujours. Fofana la frappe. Et il aura tenté quelque chose. Fofana sur sa vitesse, sur sa conduite de balle. Mais derrière, la frappe est ratée. Oui, depuis son entrée, c'est le seul Servettien qu'on voit tenter, devoir oser, éliminer. Malheureusement, la frappe
est complètement raté, mais on l'a vu, il s'est mis en évidence, il a tenté. Ce qui a manqué peut-être aujourd'hui à Servette. Hachopi, très loin la tête signée Diba. Et encore une possibilité pour les Servettiens à une minute cette fois-ci de la fin. On cherche la tête de Rodelin qui a plus d'avis et deuxième ballon pour Stevanovic. Il y a peut-être une occasion qui se profile. Fofana, il y a plusieurs joueurs autour de lui, va obtenir un coup franc. Mais là, c'est le mauvais choix, je pense. C'est le mauvais choix. Il y a Clichy qui arrivait. Et si vous décalez Clichy, il pouvait presque aller au but, en tous les cas centré. Il ne l'a pas vu, il a préféré rentrer. C'est dommage, mais il obtient un coup franc intéressant. Ouais, c'est ça. Si le coup franc est fini en pleine lucarne, c'est un bon choix. Ça sera un bon choix, effectivement. Mais on a vu Clichy lever les bras au ciel parce qu'effectivement, il a tapé un sprint de 50 mètres. Et il était tout seul et il n'a pas été servi. Alors je vous embête, Claude. Effectivement, il y avait l'appel de l'ancien joueur de Manchester City. Mais reste que on va suivre évidemment cette action puisque ce sera la dernière. Hein. A priori, 95 minutes et 45 secondes au moment où Miroslav Stevanovic va s'élancer. Les supporters servettiens sont tous ou presque debout là dans les tribunes. Stevanovic face à un mur et face à Hachopi. C'est parti. Et c'est par-dessus. C'est certainement là-dessus que cela va se terminer. Servette qui n'aura finalement pas réussi à se créer beaucoup d'occasions dans cette partie. Avec donc ce score de 0-0. Enfin, on attend quand même le coup de sifflet de Monsieur Schneider, évidemment, mais. Claude, on peut déjà faire un bilan. Bah, c'était un jour sans pour Servette. On pensait que de jouer à 11 contre 10, c'était une réelle opportunité. Et Servette n'a pas su en profiter. Et notamment au deuxième mi-temps où Servette a été inexistant, notamment sur le plan offensif. Alors Kibé, de son côté, a fait le travail, on peut le dire, venir chercher un point face à son dauphin alors qu'ils étaient à 10 depuis la 20e minute de jeu. Voilà, score final 0-0 entre le premier et le deuxième de Super League. Il y a une légère déception hein, ici évidemment au stade de Genève, mais reste que c'est statu quo en tête du classement. Merci Claude Gross en tout cas d'avoir suivi cette rencontre en notre compagnie. Et, on va aller évidemment à Grange-Paco en plateau pour suivre les quelques actions qu'il s'est passé durant cette rencontre. Bye bye.